Guillaume Meurice. Excusez-moi, mais je suis encore tout émoustillé parce que j'étais hier soir au meeting de François-Xavier Bellamy. Oh là 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 là, vous avez encore raté une belle soirée. Hein. Ouais. Oh putain, Charline, il y avait Geoffroy Didier. Mais non, mais j'adore. Si, vous l'aimez en secret. Jojo Lamoroso, vous l'appelez. Ouais, ouais. Oh là là là. Bah, moi, je l'ai vu en vrai. Oh, je suis désolé de vous en mettre plein la gueule comme ça, mais j'ai une vie de rêve. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire, voilà. Hein, c'était au Palais des Congrès à la Porte Maillot. C'est là où Chantal Goya va reprendre son spectacle Souliers qui volent. Véridique. Et hier, le soulier, bah, c'était un mocassin à glands. Et il vole essentiellement le contribuable. Alors, c'était beau, mais ça m'a foutu une nostalgie. Ça m'a rappelé le meeting de Fillon au Trocadéro. Celui où on était 200 000 d'après le délirium très mince de Bruno Retailleau. Et j'ai retrouvé alors, tous mes vieux potes. Claude Goasguen, vous vous souvenez, Claude? Claude, alors c'est le maire du 16e, il était au taquet. Moi, je croyais que ça serait très mou, ça l'est pas. C'est-à-dire, c'est la folie? Non, c'est pas la folie, mais il y avait des tas de gens qui votaient plus chez moi. Ils m'interpellent dans les cours, partout, en disant que là, ils veulent voter Bellamy, Bellamy, Bellamy. Il y a une Bellamy mania. Il y a un peu, ouais, dans le 16e, en tout cas, je sais pas ailleurs. Oui, voilà, dans le 16e, il y a une Bellamy mania, c'est Bellamyland, hein, le 16e. Mais ailleurs, c'est la folie, hein. Partout en France, que ce soit à Boulogne, à Neuilly, à La Baule, à Deauville, partout, grosse folie autour de Bellamy. Il y a même des serre-têtes à son effigie. Il y a des Loden Bellamy, Dominique Seux, un tatouage Bellamy, juste à côté de celui in Medef I Trust. C'est la folie. Hein. Et puis là, c'est toute la droite qui était réunie. Alors, quand on se revoit avec les copains comme ça, ce qui est logique, c'est qu'on demande des nouvelles des anciens copains. C'est vrai que des fois, la vie nous éloigne. Est-ce que Claude, il a des nouvelles de François Fillon? Mais on tient pas vraiment à en avoir beaucoup. Ah non, soyez pas vache. Je suis pas vache, je suis réaliste. Ah, vous l'aimiez bien quand même, une époque. Non, je l'aimais bien, mais enfin, quand même, en grande partie, on a perdu beaucoup à cause de ses fautes politiques. Vous êtes ingrat un peu quand même, j'ai l'impression. Ah bah, je suis pas ingrat du tout, je lui dois rien, moi, Fillon. Ouais, c'est ça aussi, hein, les poteaux, hein, quand on est bourré, on se dit qu'on s'aime, tout est génial, puis quand on est cuite, bon bah voilà, la réalité est plus difficile. C'est comme ça que Djoubaka fait pour la playlist France Inter d'ailleurs. Alors, à côté de Claude, il y avait Pierre Charron, Pierrot. Vous vous souvenez de Pierrot? Qu'est-ce qu'on l'a aimé celui-là? Oh là 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 là. C'est le copain de Brice Hortefeux, Hortefeuille, comme on l'appelait dans son groupe de métal. Bienveillance et haine raciale. Un super groupe de métal que je vous conseille, Brice. Alors, il était. Oui, c'est son nom de scène, en fait. Voilà. Alors, il n'était pas là, Brice. C'est dommage. Autre absent, Patrick Balkany. Il n'était pas là. Il est très occupé en ce moment, hein, parce que je vous rappelle qu'il a comme objectif de foutre Dupont-Moretti en burn-out le plus vite possible. Il est très bien parti. Alors, j'ai demandé à Pierre Charron si Patoche soutenait quand même la campagne de Bellamy. Certainement, il a toujours été fidèle à son parti. Et est-ce que vous soutenez Patrick Balkany? Balkany. Ça fait 15 ans que le fisc cherche à l'attraper, alors bonne chance. Bonne chance parce qu'il est innocent ou bonne chance parce qu'il est malin? Il est innocent. Ouais. Nous, on a confiance, on n'a que des gens en examen, nous. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens. Si vous baladez dans un tribunal, vous avez une chance sur deux de tomber sur une personne, les Républicains mis en examen. Tiens, bonjour Claude Guéant. Claude, il était là aussi, mon Claude. Oh là là. Alors, il lui avait réservé une petite place avec son nom dessus, mais alors complètement excentré. Vous voyez qu'il était un petit peu tricard. Alors, il était un peu triste, mais moi, je lâche pas les copains. Ça va, Claude, la campagne? Je ne m'implique pas dans la campagne, mais je crois de mon devoir de militant de participer à cette grande réunion. Ils vous ont mis une petite affichette quand même? Oui. Ils vous ont mis un peu à l'écart, j'ai l'impression. Je ne fais pas d'autres commentaires. Merde, je l'ai vexé. Moi, je suis comme ça, je suis un peu maladroit, j'ai pas de tact. Par exemple, j'essaye de séduire Clara depuis des années, mais je crois que ça marche pas. Quand je lui dis qu'elle me fait penser à Margaret Thatcher, pour moi, c'est un compliment, mais ça marche pas. Pareil, d'ailleurs, j'ai le même problème avec Nadine Morano. J'arrive pas bien à lui faire piger que je l'aime. Alors, du coup, j'ai l'impression que ça la crispe. En plus, ça faisait longtemps que je l'avais pas croisée. J'ai senti qu'elle m'en voulait un peu. Je vous ai pas vu en Lorraine quand il y avait 1000 personnes dans la salle. 1000 personnes à Besançon, 1200 personnes à Marseille. Les salles pleines partout, mais là, on vous voit pas. Mais m'engueulez pas. Moi, je suis ravi d'être là. Ou est-ce que vous nous écoutez des fois quand même? Jamais. C'est dur. Après tout ce qu'on a vécu, étonnant. Putain. Heureusement qu'il nous reste Castaner quand même, qui est un peu le Nadine Morano de La République En Marche. Mais sinon, c'est vrai que c'était mieux avant. Il y avait Rachida Dati avant. Bah oui. Ma Rachida, elle était là hier soir. Moi, j'ai aucun regret d'avoir été parlementaire européen. Et c'est vrai que moi, j'ai été très heureuse de pouvoir faire avancer des choses très concrètement. Est-ce que vous avez été assidue? Moi, je ne rentre pas dans ces petites polémiques qui sont l'écume des choses. Ça n'est pas intéressant ni pour la démocratie, ni pour la politique. Elle a raison, Rachida. Qu'est-ce qu'on s'en tape au final qu'elle foutait rien à Strasbourg? Il n'y avait pas de circulaire Louboutin, donc voilà, elle n'est pas venue, c'est logique. Mais c'est chiant, Strasbourg. Voilà, on s'amuse davantage au meeting de Bellamy. S'il passe pas loin de chez vous, je vous conseille. Voilà, c'est vraiment très, très chouette. Je voulais finir par une citation. Tous ces gens-là, voyez-vous, sont des médiocres parce qu'ils ont l'esprit entre deux murs, l'argent et la politique. C'est de Guy de Maupassant dans son livre qui s'appelle Bellamy. Joli, Guillaume Meurice dans ses œuvres. Merci.